Hello tout le monde, c'est Alex, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo, un vlog, c'est assez particulier, ça fait très longtemps que je n'en ai plus fait, sur mon escapade à Nantes où je retrouve Quentin et lui en fera un sur sa chaîne du coup quand il viendra en Belgique. Donc abonnez-vous à sa chaîne, elle s'affiche dans la fiche qui est soit là, je sais jamais. Mais si vous avez été attentif, vous aurez pu voir les stories que j'avais mises sur Instagram et là j'avais mis quelques photos des grosses villes étapes par lesquelles j'étais passé. Donc si je me souviens bien, c'était Paris, Le Mans, Angers et Nantes, non, Paris, Angers et Nantes, en fait, c'est tout ce que j'avais publié, avec les différents horaires, etc. Il faut savoir que pendant cette escapade, j'ai perdu plus ou moins 25 degrés en température, étant donné qu'il faisait 44 degrés en Belgique quand je suis parti, et qu'ici, il fait 20 degrés, plus ou moins, donc je dois vous avouer que j'étais pas prêt, regardez, j'avais un t-shirt, un short, donc j'étais un peu en chute, quoi. Allez, je vais faire dodo, moi, un petit peu, parce que je suis explosé, et on se retrouve tout à l'heure pour retrouver Quentin, ce sera déjà le moment de le retrouver, de venir me chercher ici à l'hôtel. Allez alors, bonne nuit. Et voilà, on se retrouve après ma petite sieste, je suis changé, je suis douché, je suis en forme vu que j'ai dormi pendant 3h30, 4h plus ou moins, ça fait vraiment du bien. Je suis en train de checker le Tour de France, donc ils viennent de partir, hein, l'étape fait 120 km aujourd'hui, c'est l'étape entre Saint-Jean-de-Maurienne et j'ai oublié l'autre côté, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils passent à l'Isran, une étape très courte mais très intense où à mon avis il va y avoir beaucoup de dégâts et je pense que objectivement, si Alaphilippe ne perd pas son maillot aujourd'hui ou s'il perd pas genre une minute, s'il reste dans le même temps, il va gagner le tour. Hein. Donc regardez, alors je vous explique un petit peu, on va vite faire un petit tour de la chambre. Alors là j'ai la télé du coup avec le tour qui est en route. Là j'ai une salle de bain avec la douche, etc. Ici j'ai un volet qui est fermé parce que je viens de me réveiller. Enfin, ça fait quand même bien une demi-heure maintenant, mais voilà. Et le lit, et alors ici la valise avec le vélo. Qui va décoller rapidement pour aller chez Quentin, du coup, vu que c'est de chez lui qu'on va partir pour faire les entraînements. Donc demain, nous irons nous entraîner l'après-midi et puis on ira à la course. Mais avant ça, il faudra s'amuser à remonter le vélo qui est démonté dans la valise. Premier nugget pour Alexandre, toute sa vie. Voilà, me revoilà, nous sommes de samedi, alors le vlog va vraiment commencer aujourd'hui parce que hier on était censé faire plein de choses et puis pour finir on a été pris de court avec Quentin parce qu'on a traîné à aller boire un verre, on a traîné à aller manger au restaurant et donc du coup on devait faire une vidéo, on a complètement zappé la vidéo, c'est à 21h30 voire 22h30 quand il m'a ramené à l'hôtel qu'on s'est dit mince la vidéo, donc on a tous les deux mis des rappels sur nos téléphones parce qu'il faut absolument que la vidéo sorte aujourd'hui pour vous prévenir de ce qu'on va faire avec Quentin quand on sera en Belgique. On a regardé le Tour de France parce que c'était une étape incroyable. Hier ils ont dû arrêter l'étape, Bernal avait attaqué, Alaphilippe avait perdu son maillot alors qu'il rentrait dans la descente et on sait tous qu'il n'aurait pas perdu son maillot en temps normal. Je crois que si ils avaient laissé la descente complète, il aurait rattrapé les 15 secondes qui lui manquaient encore pour garder son maillot. Donc plein d'éléments comme ça. Aujourd'hui d'ailleurs il y a une étape qui sera raccourcie, elle va faire seulement 60 km, un peu moins de 60 km. Donc c'est un peu la folie là. Aujourd'hui de prévu, moi je vais aller me balader un petit peu dans le centre commercial qui est ici à côté de l'hôtel parce que je vais quitter l'hôtel pour 11h. Et puis Quentin va venir me chercher, on va monter les vélos, on va préparer les vélos et puis on va aller rouler pour s'entraîner pour la course de demain. Et voilà, j'ai beaucoup trop parlé. A tout à l'heure. Et je suis essoufflé parce qu'il y avait un faux plat montant de dingue ici. Allez, tchuss. Alors je sais pas si vous avez remarqué mais le soleil est de retour. Alors ça, depuis que je suis ici, il a plu, il a pas fait beau. Et là, le soleil est enfin de retour. Donc il fait plus ou moins 25 degrés alors qu'il est 10h30 du matin. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a énormément de voitures ici, je suis au bord d'une départementale. On se retrouve quand je suis dans le centre commercial. Et voilà, je viens de manger, c'était hyper bon. J'ai été à la Cambuse chez Tante Yvette. J'ai mangé une crêpe qui est une spécialité de la région apparemment, avec de la salade et un peu de frites, c'était une crêpe américaine et j'avais jamais mangé une crêpe bretonne ou je sais pas quoi, enfin la galette qui semblerait être bretonne, c'était un délice, un régal. Et alors j'ai été à un truc qui s'appelle la cambuse, donc j'avais jamais entendu ça et apparemment une cambuse c'est genre un truc où on stocke des affaires dans un bateau ou un petit magasin, enfin un truc du genre. Mais voilà, donc je continue ma découverte de Nantes, là j'attends Quentin parce qu'on va dérouler à vélo parce qu'on est quand même venu pour ça, oui. We'll be right back.
là, il a toujours des problèmes. Oh, j'ai pété, j'ai déchiré mon pneu. En plus, il va y avoir un... Ah ouais, bah t'as plus qu'à prendre un pneu chez moi. Purée, la galère. Ça m'arrive qu'à moi, ça. C'est pas possible. Allez, on va visiter Nantes. Mais c'est mec. Pas grave, c'est pas grave. Ça y est, il a crevé. Attends, j'ai, c'est j'ai où envie de pleurer. Ah, il a un trou dans le pneu, on sait pas comment. On sait pas comment. Parce qu'il faut savoir en fait que j'ai pas pris mes roues carbone en me disant que si je crevais, c'était des boyaux, donc je savais pas les changer et j'ai bien fait du coup, mais je suis dégoûté. Je vais voir s'il y a un décathlon. Bah là, franchement, c'est à côté. Non, heureusement, t'as pris ton porte-monnaie. Ouais. Genre, moi, je le prends jamais, heureusement. Moi, je t'ai dit en partant, il vaut mieux le prendre parce qu'on sait jamais ce qui arrive. Faut pas nous réunir, on a que des emmerdes avec nos vélos. C'est vrai ça. Bon du coup notre cher Alexandre il est à pied, comme vous pouvez voir. Et oui. Hop. Donc bah, on va rentrer à pied. Et attendez, surtout ce qu'il faut savoir en fait c'est que je n'ai pas crevé de mes 10 000 km de l'année. Pas une seule crevaison je crois, si mes souvenirs sont bons. Je viens à Nantes, je prends rien pour réparer et je crève et j'aurais même rien pu faire vu que c'est le pneu qui s'est déchiré. Donc vraiment, je sais pas ce que j'ai fait au karma, mais il faut m'exorciser les amis. Parce que... Il faut savoir que du coup il n'y a pas de magasin proche. Du coup le seul moyen qu'on a trouvé c'est de prendre le tram qui est donc à 3 ou 4 km par là-bas et de rentrer chez moi en tram. Donc voilà, en plus on a quelqu'un qui va devoir nous chercher en voiture au tram. Donc on improvise. C'est la galère. On galère. Donc on n'a plus qu'à marcher et puis lui il va marcher. Ouais, là-bas c'était une petite sortie tranquille d'une heure de visite de Nantes. Ben, on va pas visiter Nantes et on va mettre beaucoup plus que... Il n'y aura pas de vlog à Nantes. Pas si ça. Allez pas à Beau Vélo à Nantes. On passe par hasard devant un magasin de vélo. Il ferme à 19h, on arrive à 19h55. Le mec nous ouvre, je lui demande s'il a des pneus. Il va chercher le pneu, il revient et il dit bah ouais mais de toute façon on ferme dans 5 minutes donc on sait pas vous changer le pneu. Mais mec, tu me donnais le pneu, une chambre à air, des minutes et de quoi gonfler, je le changeais tout seul en 5 minutes et tu fermais ton magasin. N'allez pas là, c'est un gros... Enfin, je vais pas être méchant, mais ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé. Allez hop, nous on va dans le tram. Du coup, on doit rentrer en tram et mon vlog, il est foutu mon vlog à cause de ça. Et Quentin, ça le fait bien rire. Voilà, c'est la fin de ce vlog pour ma part qui s'est déroulé à Nantes après une course et des aventures plutôt cocasses, à pas piquer des hannetons. Et donc, bah, moi je vous dis salut et alors allez sur la chaîne de Quentin du coup pour suivre la deuxième partie de ce vlog qui se passe donc à Bruxelles. À Bruxelles. Donc, voilà. Voilà. Tchuss les gars.